Cher camarade journaliste, cher camarade de la Ligue citoyenne, encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue à notre processus. Donc, comme vous savez, ça fait pratiquement quelque chose de 8 mois depuis que le troisième mandat de M. Alpha Condé a suivi et que les militaires sont au pouvoir. Les militaires, notamment à travers le CNR, beaucoup d'actes ont été posés, parmi lesquels il y a des bons, mais aussi il y a des mauvais. Comme vous savez tous, ce n'est un secret pour personne que le plus grand souhait du Front National pour la défense de la Constitution, c'est la réussite de cette transition. Pour cela, nous avons fait un travail. Durant des mois, que nous allons vous présenter tout à l'heure. Ce travail est un mémo assorti d'une feuille de route. Les camarades, en l'occurrence, Sekouno, va vous présenter le mémo. Il va vous donner le mémo. Et il sera suivi par le camarade Jean Diallo, qui vous dira aussi la feuille. Donc si les camarades sont prêts, vous pouvez passer la parole. Merci, Olivier Mangue, représentant national de la DC, de la Ligue citoyenne en République de Guinée. Camarades, salut. Salut. Ensemble, Guinée solidaire. Nous réagirons. Mémorandum du Front National pour la défense de la Constitution. En avril 2019, des organisations de la société civile guinéenne réunis au sein des forces sociales de Guinée, FSG, ont initié la création d'un vaste rassemblement citoyen dénommé Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, pour la préservation des acquis démocratiques menacés à l'époque par le projet de changement constitutionnel de l'ancien président Alpha Condé dans le seul but de s'octroyer un troisième mandat. La prise du pouvoir par l'armée guinéenne le 5 septembre 2021 a été la conséquence d'une longue lutte démocratique menée par le peuple de Guinée depuis avril 2019. Confronté à la mal-gouvernance et à la répression du régime déçu, l'immense espoir de l'avènement d'une Guinée où l'état de droit et la rupture avec les mauvaises pratiques auraient droit de cité. Impressionné et convaincu par les discours du colonel Doumbouya, promettant de remettre la Guinée sur la voie de la démocratie et de l'état de droit, les militants pro-démocratie qui ont, par leur lutte, favorisé la chute de l'ancien parti massivement le 5 septembre 2020, l'aboutissement de leur combat et acclamé le colonel et ses hommes. Dans cet esprit, la société civile guinéenne, à travers le FNDC, soucieuse de la réussite de la transition, a mené un plaidoyer du 5 au 28 octobre 2021 auprès des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de la communauté internationale en faveur de l'accompagnement de la transition guinéenne. Dans sa mission de sentinelle de la démocratie, de force de veille, d'alerte et de proposition, le FNDC partage avec les autorités de la transition, la CEDEAO, les Nations Unies et l'ensemble de la communauté nationale et internationale son appréciation sur la transition en cours. Ainsi, depuis plusieurs mois, le FNDC ne cesse d'attirer l'attention du CNRD, de l'opinion nationale et internationale sur la détérioration de la situation sociopolitique en Guinée. Dans ses différents communiqués, le FNDC, soucieux du retour à l'ordre constitutionnel, de la stabilité, de la paix et de la sécurité en Guinée,
fait constamment des propositions pour la réussite de la transition en cours. Le contexte de surveillance du coup d'État sur le plan politique. Le FNDC a salué les actes forts posés par le CNRD quelques jours après sa prise du pouvoir, qui ont positivement contribué à la libération de l'espace civique et politique. Il s'agit de la libération des détenus politiques et d'opinion, le retour des exilés politiques, le recueillement sur les tombes des victimes des violences politiques, la liberté de réunion publique et les séries de rencontres avec les forces vives de la nation. Plus de 7 mois après l'arrivée des militaires au pouvoir, le FNDC note que, malgré les immenses sacrifices humains et matériels consentis par les braves populations internationales pour prévenir une sociale récurrente qui sape régulièrement les bases d'une démocratie apaisée, de la stabilité et de la cohésion sociale dans notre pays, le CNRD semble n'avoir tiré aucune leçon ni de la récente transition guinéenne conduite par le CNDD, du capitaine Moussa Dadis Camara et de Sékou Konaté, ni du président Dessy à briguer un troisième anticonstitutionnel qui ont ébranlé la Guinée. En effet, la rédaction et l'adoption unilatérale de la charte de la transition par le CNRD, l'absence de visibilité sur la durée et le chronogramme de la transition, la gestion solitaire de la transition par le CNRD, l'absence de la liste nominative des membres du CNRD, l'exclusion des forces vives de la nation dans la gestion de la transition, l'absence de cadre formel de dialogue politique entre le CNRD et les forces vives de la nation sous la facilitation de la communauté internationale, la défiance de la junte vis-à-vis de la CEDEAO, l'interdiction de manifestations, les tentatives de musulmans des acteurs politiques et de la société civile, les actes de récupération et de destruction des biens immobiliers supposés appartenir à l'État au mépris des principes de l'État de droit et des droits de l'homme en sont des parfaites illustrations. En outre, les velléités de la junte de rester longtemps au pouvoir et de conduire seule la transition sans associer les forces vives de la nation sont source de potentielles tensions susceptibles d'installer la Guinée dans un nouveau cycle de violence à même de rallonger la transition et de plonger le pays dans une instabilité aux conséquences sociopolitiques sans précédent. Face aux multiples appels au dialogue et à la concertation des acteurs sociopolitiques et de la communauté internationale sur la conduite de la transition, le CNRD et le gouvernement, plutôt que de répondre à ces appels, tiennent des discours et posent des actes qui frisent l'arrogance et le mépris. Ces comportements, sans doute à la base des frustrations que ressentent les acteurs politiques, des organisations de la société civile, dont les répercussions sur la paix et la stabilité de la transition se font déjà sentir. Au point de vue gouvernance judiciaire, de l'état de droit et des droits de l'homme, la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre 2021 est intervenue à la suite d'un contexte de tensions sociopolitiques, de répression dans le sang des manifestations qui ont occasionné de nombreuses pertes en vies humaines, des centaines de blessés, ainsi que des arrestations et des peines de prison pour des manifestants ou des leaders. La répression des manifestations contre le troisième mandat d'Alpha Condé ont ainsi entraîné de graves violations des droits de l'homme. Par ailleurs, l'obsession des autorités à s'accrocher au pouvoir sans légitimité aucune et en dépit de la pression internationale et des sanctions infligées à la Guinée par la CEDEAO a plongé le pays dans une morosité économique caractérisée par une baisse notable des activités du secteur privé, plus particulièrement celles des opérateurs économiques nationaux. L'inflation galopante impacte négativement le pouvoir d'achat des ménages et enrichit le coût de la vie. Cette situation économique, peu reluisante, vécue difficilement par les populations, est un énorme risque de grogne sociale si la Guinée perdure dans la transition. Les incertitudes
de la transition et les risques sur la stabilité et la sécurité du pays. Dans un contexte sociopolitique et économique aussi délétère que celui de la Guinée d'aujourd'hui, l'absence de dialogue et de concertation inclusif et constructif entre le CNRD et les forces vives de la nation sur le contenu, la durée et le chronogramme de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel rapide, plus de 7 mois après la prise de pouvoir par les armes, présente des risques de soulèvement populaire certains. Ce risque est aisément perceptible. À travers la montée progressive de tensions, parfois dans les déclarations des principales forces sociales et politiques qui n'excluent pas de recourir à des manifestations pacifiques de rue pour sauver la transition en cours. Ce risque est aussi palpable à travers les actes posés par les militaires au pouvoir qui présentent de plus en plus des signes d'agacement, d'intolérance, d'allergie à la critique. Dans le contexte au pouvoir, d'où la nécessité de la présente alerte en vue d'une mobilisation nationale et internationale pour éviter le chaos. Les incertitudes d'une transition à 1000 inconnus. Aujourd'hui, il n'y a pas de tableau de bord connu de la transition en Guinée. La destination où le CNRD veut mener la Guinée n'est pas connue des Guinéens, ni dans le contenu, ni dans la forme. L'esprit de rationalité aurait voulu d'ailleurs préciser la destination avant de mettre en place un tableau de bord. Cette situation fait dire à beaucoup d'observateurs que les autorités de la transition font du pilotage à vue qui pourrait relever d'une stratégie de fer dans la confusion, dans le flou, pour rester longtemps au pouvoir sans légitimité aucune. Mais qui tirera profit de cette situation floue qui peut virer au chaos? Ce n'est sûrement pas une Guinée paisible et prospère. Les prémices d'un nouveau cycle de violence et de violation des droits de l'homme et de l'état de droit. Quoique salutaire, dans les mesures de récupération des domaines supposés appartenir à l'État, la manière de s'y prendre est aussi plus importante que le fond. Démolir des maisons pendant que les dossiers y afférents sont pendants devant la justice ne rassure ni les citoyens ni les avocats quant à l'indépendance de notre justice. Cela ne devrait même pas rassurer les magistrats chargés de dire le droit en toute indépendance. Ce comportement affaiblit davantage l'état de droit déjà qui ambitionne de diriger ce pays est plus forte auprès des Guinéens. La suspension récente du procureur général Alphonse Charouette à cause d'une bruit avec un des rares éléments connus du CNRD, en l'occurrence le haut commandant de l'ennemi national, le colonel Bala Samoura, demeure la preuve que la justice n'a jamais été la boussole et ne le sera sûrement pas davantage demain tant que les militaires restent au pouvoir. Sur l'identité, le nombre et le 5 septembre, tout comme l'absence d'une volonté lisible de la junte de faire la lumière sur les sombres épisodes de la répression sanglante des manifestations de 2001 à 2021, en passant par le procès du massacre du 28 septembre 2009, sont des signes qui ne présentent pas d'être optimistes. Recommandation. Appel à la communauté internationale. Face aux risques prononcés d'échec de la transition en cours, la coordination nationale du FNDC interpelle les citoyens guinéens et la communauté internationale et leur demande de tout mettre en œuvre pendant qu'il est encore temps pour prévenir le chaos. La communauté internationale ne doit pas attendre et se contenter de déclarations de principe pour regretter demain des situations déplorables pour la stabilité, la paix et la sécurité en Guinée et dans les pays de la sous-région. Une situation de chaos en Guinée entraînera sans doute des conséquences sur le plan humanitaire, sur la paix et la sécurité des pays voisins,
surtout au moment où des groupes de terroristes font tout pour élargir leur influence et leur présence dans les pays côtiers. Soucieux de la stabilité, de la paix, de la sécurité et du retour rapide à l'ordre constitutionnel, le FNDC exhorte la communauté internationale à appuyer la CEDEAO afin que les Guinéens vivent en paix, jouissent des biens d'une démocratie apaisée, vivent dans la paix et la dignité dans une Guinée riche de ses ressources naturelles et réconciliée avec elle-même et les ensembles régionaux. Le FNDC demande à la communauté internationale de continuer à appuyer la Guinée pour... Le FNDC demande à la communauté internationale de continuer à appuyer la Guinée pour dépasser vite ce régime d'exception et revenir à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation de processus électoraux inclusifs, transparents et crédibles organisés sous sa supervision. Le FNDC exhorte la communauté internationale dans sa diversité à unir ses forces avec des messages communs harmonisés au service exclusif de la paix et de la sécurité en Guinée et dans les pays voisins. Le FNDC demande par ailleurs à la communauté internationale d'appuyer et de faciliter la tenue d'un dialogue constructif, inclusif et sincère et d'accompagner la mise en œuvre de tout accord qui en résulte. La coordination du FNDC s'engage à prendre toutes les mesures utiles en termes d'alerte et de proposition en vue d'éviter à la Guinée la survenance d'une crise sociopolitique aux conséquences désastreuses pour la transition en cours et pour l'avenir du pays. Le FNDC reste déterminé à défendre le retour rapide à l'ordre constitutionnel dans les limites fixées par les lois de la République. Le FNDC invite plus particulièrement la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies, ainsi que tous les amis de la Guinée, à œuvrer chacun à ce qui le concerne et conformément aux moyens dont il dispose pour éviter à la Guinée une nouvelle crise sociopolitique majeure. Appel au sens de responsabilité du CNRD. Le CNRD ne doit pas continuer à rester sourd aux appels des Guinéens et de la communauté internationale en faveur d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel à travers un programme sérieux, crédible et consensuel. Chercher à distraire le peuple de Guinée et de la communauté internationale à gagner du temps dans le dessein de rester longtemps au pouvoir n'aidera pas le colonel Mamadi Doumbouya et son CNRD. Le FNDC appelle le CNRD au sens de responsabilité pour faire sienne des leçons tirées de l'échec du CNNDD et ses déboires judiciaires liés au massacre du 28 septembre 2009. Il invite au discernement pour ne pas oublier que le CNRD n'est arrivé au pouvoir que par la voie des armes, avec le soutien des Guinéens fatigués du régime d'Alpha Condé et de ses méthodes aux antipodes des principes d'une démocratie apaisée, de droits de l'homme et de l'état de droit. Le FNDC exhorte le colonel à ne pas se plier aux sirènes divisionnistes, fractionnistes, aux grandes dames de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale. Le FNDC appelle le CNRD et le gouvernement à faire preuve de retenue afin de ne pas verser dans une chasse aux sorcières à travers l'instrumentalisation de la justice. Le sens de responsabilité et de discernement lui permettrait de ne pas confondre un régime d'exception et un régime issu du processus électoral en bonne et due forme. Il invite le CNRD à tout mettre en œuvre pour sortir la Guinée de l'impasse politique dans laquelle il l'a mise en refusant obstinément à dialoguer avec les forces vives sous la facilitation de la communauté internationale. La crise de confiance issue de cette impasse politique est si profonde qu'un dialogue interguinéen sous le leadership d'un ministre issu du gouvernement de transition ou d'un quelconque guinéen n'est point faisable. Il invite
le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD à faire de ce qu'ils ont déclaré lors du discours du 5 septembre 2021. En tout état de cause, la crédibilité minimale du CNRD passe de prime abord par la publication de la liste nominative des membres qui le composent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bravo. Merci bien. Vous allez changer de place. Comme vous l'avez constaté, c'est la première partie du mémorandum qui a été vue par le camarade Sébou Koundouno. Il est revenu sur le contexte de la survenue du coup d'État le 5 septembre dans notre pays. Vous avez vu que nous avons essayé de détailler un peu les incertitudes d'une transition et les risques sur la stabilité de notre pays, mais également sur les pays de la sous-région qui nous entourent et qui sont en proie du terrorisme. Et nous avons fait des recommandations. Et la deuxième partie de cette feuille de route nous parlera des activités courantes et des réformes institutionnelles, mais aussi du processus électoral. Donc, en clair, ici, nous allons vous donner de ce qu'on pense de la durée de la transition de la République en République de Guinée pour qu'on retourne rapidement à l'ordre constitutionnel, parce que nous avons mené un combat pour la démocratie et l'état de droit, et nous pensons que les personnes qui doivent nous diriger doivent être des menaces de la population. Merci. 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 Et alors, merci beaucoup. La parole au camarade Ibrahim Diallo. Merci beaucoup. Et donc, la deuxième partie du mémorandum tourne autour de la feuille de route ou le chronogramme des activités proposées par le Mouvement national pour la défense de la constitutionnelle pour la réussite de cette transition et pour un retour à l'ordre constitutionnel. Cette feuille de route-là comprend trois grandes étapes. La première étape est relative aux activités courantes liées au fonctionnement normal de l'État et de la mise en place des organes de la transition. La deuxième étape de cette feuille de route est relative aux réformes institutionnelles. Et la troisième étape, qui est la dernière étape de cette feuille de route du chronogramme d'activité du FN, proposé par le FNDC, est relative au processus électoral qui va nous amener à l'élection d'un président démocratiquement élu pour mettre fin à cette transition qui est une période d'exception. Tout cela combiné, selon le FNDC, après une étude préalable et une consultation, nous avons proposé que les trois étapes peuvent bien être réalisées sur une période de 24 mois allant du 5 septembre 2021, jour du coup d'État, au 5 septembre 2023. La première étape, activité courante. Dans les activités courantes liées au fonctionnement normal de l'État, vous avez la surveillance de l'équilibre macroéconomique, la création d'un cadre de dialogue et de concertation permanent entre la junte, les forces vives, la nation et la communauté internationale, la mise en place des organes, la transition et la gestion des affaires courantes de l'État, l'ouverture des enquêtes judiciaires à l'effet d'organiser des procès pour des crimes de sang et des crimes économiques. Donc ce sont des activités qui peuvent être réalisées tout au long de la transition sans avoir un impact sur le fonctionnement normal des étapes qui concernent le retour à l'ordre constitutionnel. La deuxième étape, relative aux réformes institutionnelles. Nous avons jugé utile que pour les réformes institutionnelles, 3 mois suffit largement pour procéder à cette réforme institutionnelle. Quels sont les contenus de cette réforme institutionnelle? Premièrement, il y a la réforme constitutionnelle. Et pour le FNDC, en raison du consensus qui a prévalu à l'adoption de la Constitution du 7 mai 2010, et des lourds sacrifices consentis
par le peuple de Guinée dans la Ligue citoyenne pour la sauvegarde des acquis démocratiques qu'elle contient, le FNDC suggère que la révision de cette constitution et son adoption par voie référendaire. 2. La révision des lois organiques. Le FNDC suggère la priorisation de la révision des lois organiques ayant des incidences directes sur le processus électoral en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il s'agit de la loi électorale, la loi sur la Cour constitutionnelle et la loi sur la Cour des comptes. Ensuite, la réhabilitation des institutions de la République pouvant faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. En priorité, la Cour constitutionnelle est directement engagée dans le processus électoral. L'organe indépendant de gestion des élections qui organise les élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ensuite, la Cour des comptes qui est chargée de pouvoir faire la veille et la vérification des montant à lui aux campagnes. La troisième et la dernière étape, le processus électoral. Le FNDC pense, après analyse et étude, que le processus, la durée suffisante pour le processus électoral pour un retour à l'ordre constitutionnel est de 15 mois. Le contenu, il y a d'abord le fichier électoral. Pour le FNDC, sur la base du dernier audit du fichier électoral effectué par les experts de la CEDEAO en 2020, le FNDC opte pour le recrutement d'un opérateur compétent pour la révision de l'actuel fichier électoral afin de donner la possibilité aux citoyens en âge de voter de s'enrôler. Pour les élections, le FNDC souhaite que la période de la transition soit mise à profit pour les élections présidentielles. Et comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, tout le tout pour une durée de 24 mois allant de la période du 5 septembre 2021, le jour du coup d'État.